Eh bien, chers amis, bonjour. Et oui, c'est une journée toute particulière. Alors déjà pour les joueurs de Canet, puisque nous sommes ce jour de Coupe de France, mais aussi parce que c'est le premier jour de l'année où il n'y a pas de vent à Perpignan. Derrière moi, bien sûr, vous reconnaissez l'ensemble de l'effectif, le groupe Montpelliérain qui a pris le bus ce matin à 10h30, une petite heure et demie avant de parvenir ici à Perpignan. Et puis cette journée, bien sûr, qui précédera ce quart de finale donc au stade Gilbert Brutus de Perpignan contre Canet en Roussillon. De match dont le coup d'envoi sera donné à 21h. Tout le monde va très bien, vous les voyez en arrière-plan. Allez, à ce soir. Il a failli en distribuer beaucoup, là. Andy Delors, mais malheureusement, Monsieur Le Sage est encore resté totalement impassible aux appels du capitaine Montpelliérain. De fait, capitaine Montpelliérain, Andy Delors, bon, il y a quand même des positionnements, des phases de jeu qui laissent entrevoir l'once d'un début d'espoir que nous serons un peu plus percutants en seconde période que nous l'avons été sur l'ensemble de la première mi-temps. C'est, alors évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des signes. Il n'y a peut-être pas du con
convaincant qu'on aimerait pour se rassurer, parce que de toute façon, rien ne pourra plus nous rassurer que de voir un joueur du MHSC sur le terrain parvenir à marquer un but. Bon sang de bonsoir. Félicite.